J'ai cependant une proposition à vous faire. Vous et Shekoura, venez avec moi en Angleterre. Capitaine Clarkson, je viens à peine d'arriver en Afrique. Je ne peux pas partir maintenant, voyons. Mais nous avons besoin de vous, les abolitionnistes. Nous avons besoin de vous, de votre témoignage, de faire entendre votre voix. Les Quakers essaient de convaincre le Parlement d'abandonner le commerce des esclaves. Par commerce, j'entends l'achat d'esclaves sur la côte africaine, leur transport par bateau et leur vente en terre d'Amérique. C'est une première étape, l'esclavage continuera d'exister, mais plus aucun homme, aucune femme, aucun enfant ne seront emportés sur les navires négriers. Mais comment pourrais-je, d'une manière ou d'une autre, faire avancer votre cause ? Vous avez survécu à l'esclavage. Votre voix pourrait émouvoir des milliers de Britanniques. Quand viendra le temps pour le Parlement de délibérer sur la question, votre voix pourrait faire basculer le vote. Capitaine Clarkson, je... Appelez-moi John, je vous prie. John. Comme vous, je veux retourner chez moi de nouveau. Vous êtes maître de votre destin, Aminata.